L'info. C'est sur Radio 1. Est-ce que vous confirmez que vous êtes Suzanne Hervé? Oui. Êtes-vous au courant que vos propos font polémique sur Facebook? Oui, moi j'ai entendu ça à la radio. Est-ce que vous regrettez ces propos? Je n'ai rien à dire. Sur Facebook, vous dites aussi que vous êtes employé de Radio 1, mais c'est totalement faux. C'est pas moi qui ai mis ça sur le Facebook, venu comme ça, c'est pas moi qui ai mis ça. Donc vous n'avez pas peur d'être inquiété pour la police pour incitation à la haine raciale? Je m'en peur de rien, parce que tu sais que je dis, c'est la vérité. Il n'y a rien de faux. Radio 1, la radio info. C'est une Suzanne Hervé très à l'aise qui a répondu aux questions des enquêteurs de la Cybercrime Unit de la police ce matin. Avec force détail, elle a maintenu les propos qu'elle a postés sur Facebook et a tenté de les justifier. Mais qui est donc cette femme qui est devenue en un week-end l'internaute la plus recherchée du pays? Diplômée et célibataire, elle vivait seule dans une maison à Phoenix avant d'aller habiter récemment chez une de ses proches à Morcellement Pinewood à Houghton. C'est d'ailleurs à partir de cette adresse qu'elle aurait posté ses propos sur Facebook, car l'adresse IP a été retracée à Houghton, tandis que son adresse officielle est à Phoenix. À ce stade, la police ne compte pas la faire examiner par un psychiatre ou un psychologue. Diplômée, elle a travaillé plusieurs années à l'étranger avant de retourner à Maurice, où elle a eu de l'emploi dans une entreprise privée.